Et oui, joyeux Noël quand même, les amis. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Pardon. On devrait dire bonne fête. Ouais, parce que bonne fête, il paraît que joyeux Noël, c'est clivant. Et bonne fête, c'est plus inclusif, tu vois. Alors, bonne fête donc. On ne va pas se fâcher un hein, 24 décembre. Surtout que les gens ont mis déjà tous leurs efforts hein, depuis un mois pour assembler tous les petits cadeaux et se préparer ce Noël. Les gens ne manqueraient ça pour rien au monde. C'est compréhensible. Pour certaines cultures. D'autant que Noël devient ingérable. Hein? Ça devient ingérable, c'est vrai. Un vrai champ de mine, c'est vrai. Prenez le menu, fini le foie gras, les canards, ce rebiff, pas d'huîtres. Comment pouvez-vous croquer des petites bêtes vivantes? Parce qu'il y a des défenseurs des animaux, bien évidemment. Le gibier, c'est tabou. Les fruits exotiques livrés par avion, j'en parle même pas. C'est un vrai scandale. Par contre, la pizza, ça va. En vous rappelant que la pizza, c'est le plat du pauvre. Donc, on est en train de se faire mettre tous à poil. Prenez les sujets de conversation pour mettre le feu. Par exemple, vous avez au choix le pass vaccinal, t'as même Éric Zemmour, ou l'écriture inclusive, la chasse, enfin t'as plein de la chiasse aussi. Prenez le Père Noël, emblème sur. C'est un emblème suranné hein, d'un patriarcat au nid, s'accrochant pathétiquement à son CDI alors qu'il y a 80 ans, il a 80 ans bien géré, le gars, il est quand même claqué déjà. Il est temps de passer à autre chose. Et l'une des pires fake news imposées aux enfants, nul n'ignorant qu'il est livreur chez Amazon. Hein, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils savent déjà tout, ils croient même plus au Père Noël. Donc c'est fini en fait. Prenez le plan de table, il faut mettre les triples doses d'un côté, les doubles de l'autre, les anti-vax à la cuisine, gérer les défections des Covidés, repousser les cas contacts, tester les autres. Personne près du sapin, attention, certains ne supportent pas de dîner à côté d'un cadavre d'arbre. Prenez les jouets, là, c'est le pompon carrément, ouais, c'est vrai, une vaste littérature nous apprend qu'ils sont bourrés de formaldéhyde, parfums de synthèse, cadmium, plomb, arsenic, bisphénol A, polybromodiphényléther, alors là, ouais, rien que le mot, j'ai jamais vu ça de ma vie, et hexabromocyclododécané. C'est chaud, hein? Là on est dans la merde. Les experts nous enjoignent de n'acheter que des jouets testés, labellisés par des médecins, des techniciens, pédagogues, psychologues, pompiers, dentistes. Ni piles, ni plastique, encore moins de contreplaqué. Et pensez à aérer les jouets neufs pendant 2 jours avant leur première utilisation. Il vous reste au choix le cerceau en érable issu de forêts à gestion durable ou la marionnette d'Hidalgo en coton bio. Joyeux Noël quand même. Les enfants ne croient plus en Noël, les adultes non plus, tout le monde essaye de garder le truc quand même, tu vois. Mais joyeux Noël quand même. Ah, tu vois, c'est la preuve que les gens sont capables de tout pour fêter leur petit Noël. Ah, les enfants, on est rentrés dans une période vraiment magnifique, là. Ouais. Bon, joyeux Noël quand même. Hein. Joyeux Noël quand même.